Grossiste et leader de la distribution alimentaire et non alimentaire en Belgique et au Luxembourg, Trendy Foods occupe 550 personnes et réalise un chiffre d'affaires d'1,6 milliard d'euros. L'entreprise aux 40 000 références est implantée à Bornem, Dudelange et sur un tout nouveau site sur les hauteurs de Liège, au croisement des autoroutes E40, E42, E25 et E313. Et grâce à ce nouveau Trendy Hub ici à Melmont, nous atteignons maintenant une superficie totale de stockage de plus de 50 000 m² sur trois sites, celui-ci, celui de Bornem et celui de Dudelange au Luxembourg. Sur ce site, nous préparons plus de 130 000 colis par jour. Nous livrons à peu près 1100 clients journalièrement à l'aide de notre flotte de 108 camions. Dans ce nouveau hall de 27 000 m² de Trendy Foods, le concepteur et intégrateur de solutions totales pour l'intralogistique Savoie a installé une ligne de préparation mécanisée de commandes sur mesure dédiée aux produits du tabac. C'est une chaîne à préparation à gare. Les cartons sont lancés au début de la chaîne et sont acheminés automatiquement vers des gares. Dans ces gares-là, on fait la préparation des lignes de commandes à partir d'étagères, de rayonnage dynamique carton et de rayonnage dynamique palette. Une fois le colis complet, il est envoyé vers la fin de ligne, vers la fermeuse et l'étiquetteuse, ensuite via les voies tri pour l'expédition. Le système est également contrôlé par deux softs importants. Il y a l'UECS de Savoie qui gère les transports sur les gares et sur la ligne. Et ensuite, il y a Audacio qui prend les tâches de warehouse management, de la réception, le réapprovisionnement, le picking, jusqu'à la palletisation et l'expédition. Trendy Foods a fait le choix d'un système semi-automatisé, mais Savoie propose également des solutions entièrement automatisées avec dispositifs Goods to Person, basés sur des navettes ou des robots de préparation. Trendy Foods dispose d'une flotte lourde de 108 camions. Pour la préparation spécifique et le suivi des caisses de ces véhicules de distribution, l'entreprise s'appuie sur l'expertise de la carrosserie Lerut. En fait, donc, nous travaillons pour Trendy Foods depuis 2005 et nous construisons toutes les années des nouvelles caisses isolées, bien adaptées à leurs travaux respectifs. On fait attention à la sécurité des chauffeurs, etc. Donc on adapte chaque fois, on évolue le type de caisse. Et on fait pas mal de réparations également tout au long de l'année parce qu'il est très primordial qu'il n'y ait pas des véhicules immobilisés. Installée à Chêneux, la carrosserie Lerut affiche plus de 50 ans d'expérience. Spécifiquement orientée poids lourd de toute marque, elle occupe 15 personnes et se caractérise par une capacité à assurer tout type de travaux à la carte et toujours en interne. Donc nous effectuons plusieurs types de carrosseries, que ça va de la caisse isolée, frigo, bâché, plateau, ridelle. Et on monte énormément de robes hydrauliques, des rayons élévateurs hydrauliques, mais surtout des constructions qui sortent un peu de l'ordinaire et qui sont assez compliquées. On a du personnel qui aime bien de relever les défis pour effectuer tous ces travaux. Au rayon service, les clients de la carrosserie Lerut sont aussi particulièrement bien servis. L'entreprise dispose de ses propres équipes de dépannage. Ces deux camionnettes entièrement équipées interviennent partout en Wallonie, 24 heures sur 24. Dans les entrepôts de Trendy Foods, la manutention des marchandises est confiée à du matériel Toyota, 271 engins au total. Trendy Foods Toyota, c'est 20 ans de partenariat, maintenant sur trois locations, hein, donc Bornem, Millemort et Dudelange. Et on a quatre types de chariots, donc on a les préparateurs de commandes, on a les rétracts pour aller dans les rayonnages, on a les transpalettes électriques pour aller dans les camions, et ici pour se déplacer dans l'entrepôt, les transpalettes électriques portées. Tous ces engins sont alimentés à l'aide de batteries lithium-ion, qui ne nécessitent pas de salle de charge, pas de changement de batterie et permettent une productivité maximale sous l'œil attentif du logiciel EyeSight. Chaque chariot est connecté et envoie un certain nombre de données vers un serveur. De même, on travaille ici chez Trendy Foods avec le Smart Access, donc chaque cariste doit badger pour pouvoir prendre le contrôle du véhicule, ce qui donne une certaine responsabilité par rapport au chariot qui doit diriger et conduire. Des machines dont le travail est encore optimisé par le fait que Toyota Material Handling ait également installé ici les rayonnages, notamment étudiés en fonction des caractéristiques des engins, un petit écosystème qui évolue en parfaite symbiose. Ce nouveau hall de Trendy Foods permet à l'entreprise d'à la fois assumer sa croissance, optimiser ses flux logistiques et offrir des conditions de travail idéales à son personnel. Le tout sur fond d'approche éco-responsable avec un bâtiment modèle sur les plans énergétiques et écologiques. L'isolation thermique va au-delà du PEB actuel.
Nous avons également le vitrage solaire. Tout ce qui est éclairage a été fait de manière intelligente, suivant les besoins et les présences des personnes. Et nous avons également un équipement de 1600 panneaux photovoltaïques qui nous rend autonomes dans nos besoins énergétiques, mais surtout également qui alimente les 40 bornes de recharge pour le personnel. Trendy Foods est aussi un acteur très impliqué dans le circuit court qui appuie la collaboration entre producteurs régionaux et commerçants par un encadrement technique et logistique.